Yo mon gars, c'est Driz, donc j'espère que tu vas bien aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Sigma Clan. Et comme ça fait plaisir, une nouvelle vidéo, je t'invite dès maintenant à lâcher ton pouce bleu. Parce que, hé, une nouvelle vidéo sur la Sigma les gars, on est là ou pas? La Sigma Nation, je sais que vous êtes là, et si tu ne fais pas partie de la Sigma Nation, toi qui écoutes cette vidéo, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et à nous rejoindre dès maintenant. Les gars, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler simplement entre nous, tu vois, je vais essayer d'interagir un petit peu avec vous, avec la communauté, parce que on en a parlé avec Nextase hier soir, à l'heure où je fais cette vidéo, et c'est vrai que il y a des petites incompréhensions au niveau de la commu, et j'ai vraiment envie, tu vois, de régler, que ce soit par rapport au RC ou autre chose, j'ai vraiment envie de parler avec vous, essayer de vous expliquer les choses pour que tout se passe bien entre vous, entre nous, bref, vous avez capté. Tout d'abord, bah, le gameplay qui est en fond, je sais pas du tout ce que ce sera un gameplay qui aura certainement le même temps que les conneries que je vais raconter dans cette vidéo, donc bah voilà, il y aura la chaîne certainement du player en description. Et voilà, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne que vous verrez en description. Bref, aujourd'hui les gars, je vais vous parler de quoi? Déjà, je vais vous remercier. Je vais vous remercier pourquoi? Parce que à l'heure où je fais cette vidéo, on atteint... On est pas loin, tu vois, on est pas loin des 17 000 abonnés, je le sais, tu vois. On a dépassé les 16 000 abonnés vraiment très très vite, et les 17 000 arrivent à grands pas. Donc gros de tout 20K les gars, vous connaissez. On est des ouf, et vous êtes des ouf les gars, vraiment, vous nous faites kiffer, tu vois. Donc franchement, merci à vous, vous êtes au rendez-vous sur toutes les vidéos, alors, que ce soit au niveau de like, des commentaires, etc. Franchement, vous nous faites kiffer, et franchement, c'est cool. Mais les gars, il y a un truc où je pense que vous avez un petit peu déconné, tu vois. On a fait une vidéo il y a pas longtemps, donc, enfin il y a pas longtemps, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, concernant le recrutement challenge de la Sigma Clan, les gars. Donc c'est une vidéo qui sera dans la description de cette vidéo, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Après vous revenez, tu vois, au pire tu mets sur pause, tu ouvres un nouvel onglet, tu vas voir et tu reviens, tu vois. Ce qui se passe, c'est que c'est une vidéo qui vous invite à tenter votre chance sous une certaine forme pour entrer dans la Sigma. C'est une vidéo qui est un peu... Enfin, c'est un recrutement challenge un peu différent des autres. En général, quand tu fais un RC, enfin quand une team fait un RC, tu dois soit rentrer simplement des clips, soit faire des gameplays, puis on regarde et puis on te prend. Ici, ça va être différent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris, donc je vais essayer de leur expliquer dans cette vidéo, parce que c'est très important. Nextase a bien expliqué quand il a fait la vidéo du RC, que je vous invite encore une fois à aller voir, je sais que je vais forcer, mais je vais vous envoyer plein de fois vers cette vidéo parce que c'est vraiment très important, tout est écrit dedans, tout est dit, la vidéo c'est une bonne vidéo, sinon on l'aurait pas validée, s'il y avait des trucs qui étaient mal dits, on l'aurait pas mise en ligne, donc la vidéo normalement de base, vous auriez tous dû comprendre, d'accord? On a reçu beaucoup, beaucoup de vidéos concernant le recrutement challenge, et ça fait plaisir, vraiment les gars, on en a parlé encore avec toute la team, bah c'était quoi, c'était avant-hier, on a regardé un petit peu pas mal de vidéos, pas tout hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, on n'a pas fini, mais voilà, on a regardé pas mal de vidéos, et franchement, l'engouement qui est autour du recrutement challenge, ça fait vraiment plaisir. Non franchement, ça nous fait kiffer, tu vois, qu'il y a autant de réponses, non franchement les gars, vous êtes des ouf, non franchement vous êtes des ouf, mais il y a deux problèmes. Un problème déjà de compréhension, je pense que... On a tout expliqué, mais qu'il y en a qui n'ont pas bien saisi. Le but de la vidéo était de montrer que vous pouviez, vous, faire ce que nous, on fait. C'est-à-dire qu'on cherche pas un niveau de gameplay, on cherche pas autre chose. Ce qu'on cherche, simplement, c'est un mec qui a du niveau, que ce soit en game comme en montage, d'accord, qui puisse faire des vidéos de qualité, avec un commentary de qualité, d'accord, qui puisse passer sur la chaîne, qui puisse passer en live, etc. D'accord. Là, je m'adresse vraiment par la catégorie player et streamer, les gars, d'accord. Donc, voilà. Le problème... C'est que vous, vous avez fait ça en présentant pour la plupart votre liste de gameplay, qui, en général, en plus de ça, sans vouloir être méchant, n'est pas finalement si intéressante que ça, d'accord? Au lieu de bah, mettre en priorité, mettre en avant, tu vois, vos qualités à vous. C'est-à-dire que, on a vu des vidéos où on vous avait dit, tu vois, nous, de faire d'abord une vidéo présentation, donc vous mettiez votre facecam, peut-être un gameplay en fond, peu importe, où vous parliez, vous présentez vous, que ce soit IRL ou in-game, ce que vous faites, pour ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Pourquoi vous avez envie de monter, si vous êtes motivé, que nous on voit, tu vois, qu'il y a un certain punch, tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait du punch, qu'il y ait de l'envie, que vous puissiez percer, etc. Et après seulement vous faisiez votre montage, ou vous mettiez peut-être de la feed un petit peu, tu vois, des gros carnages, des massacres, bref, tu vois ce que je veux dire. Déjà, pour la plupart, vous n'avez pas respecté l'ordre, mais à la limite, l'ordre c'était pas ultra important. Le problème c'est que vous n'avez pas respecté le format. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vous demandait, entre guillemets, c'était de suivre un certain pattern, un certain format, pour que nous, quand on aille regarder les vidéos, on puisse savoir, on puisse cocher, entre guillemets, notre tableau et dire, voilà, ça c'est good, ça non, ça c'est bien, ok. Le problème, c'est que on retrouve pas ce qu'on a demandé, les gars. On vous demande une vidéo de 8 à 10 minutes, avec une présentation, comme je viens de vous le dire, où vous présentez voilà, votre chaîne, ce que vous voulez faire, les gars. Et voilà, tu vois, vous présentez simplement votre contenu, vous mettez votre niveau en avant, que ce soit in-game comme commentary, facecam, montage, etc. On veut juste voir vos qualités. On veut pas avoir une liste bête et méchante de vos gameplays inscrite en plein milieu de l'écran. On s'en bat les couilles, les gars, on n'est pas là pour ça. On veut voir si vous êtes capable demain,
de refaire, vous, ce que nous on fait sur la chaîne. C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est vraiment, voilà, je vous invite vraiment à retourner sur la vidéo du RC, c'est très très bien expliqué par Nextase. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris, d'accord? Donc vraiment, retournez le voir. Les gars, là, je vais m'adresser à une autre partie de la communauté, et ce que je vais dire, c'est pas pour clasher, c'est pas pour enfoncer, c'est vraiment pour vous comme pour moi. Parce que, faut savoir que je suis peut-être celui qui a regardé le plus de vidéos, et franchement, les gars, j'ai eu mal aux yeux. En fait, le problème, c'est qu'on vous a dit, pensez à nous, ne nous faites pas perdre notre temps. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, ce que vous avez pas compris, c'est que quand vous filmez votre télé avec un téléphone, que vous filmez une game où c'est votre meilleure game, que vous êtes en 27 à 13, on juge pas le niveau des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, vous nous avez fait perdre 5 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vidéo qu'on a regardée de vous, où vous savez très bien que vous allez pas être pris. Malheureusement, c'est pas pour être méchant, tu vois, mais vous savez que vous avez pas être pris. Et bah, ça nous empêche, en fait, d'aller voir la chaîne de quelqu'un d'autre, la vidéo de quelqu'un d'autre qui a peut-être fait un bon contenu. Et les gars, c'est pas cool. Franchement, on vous a demandé la qualité, on vous a demandé vraiment de faire un bon montage, quelque chose qui ressemble à ce que nous on fait, voire mieux. Et vous le faites pas. Et vraiment, ça m'a déçu, tu vois, ça nous a déçu tous. Franchement, rappelez-vous juste une chose, et je vais clôturer la vidéo là-dessus parce que ça fait déjà 6 minutes que je parle et je pense que vous en avez un peu marre de m'entendre. On a dit très clairement qu'on recruterait les gens qui nous plairaient, les gens qui correspondaient aux critères. C'est-à-dire que si demain, si le jour final du RC, il n'y a personne qui nous plaît, les gars, on va pas prendre le moins pire, entre guillemets, on prendra personne, les gars, d'accord? Comprenez-le. Donc il faut vraiment, voilà, si vous voulez faire les choses bien, donnez-vous les moyens de faire ce que nous on fait avec du Sony Vegas, avec ce genre de choses, tu vois, vraiment des montages de qualité, les gars, pas des montages faits sur la PS4, pas des montages avec le téléphone portable, pas des facecams bizarres, tu vois, tu fais vraiment avec ta facecam si t'en as une, si t'en as pas, tu montres, voilà, que tu sais faire comme si t'en avais pas. Voilà, mets-toi en avant, les gars, ok? Mettez-vous en avant, pardon, parce que je mélange un peu les trucs. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, encore une fois, désolé, c'est sûr que le sujet de base dépend d'une autre vidéo, donc j'invite encore une fois à aller la voir. N'hésite pas à lâcher un like et à commenter, peut-être, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu as fait une vidéo, si tu n'as pas fait de vidéo, n'hésite pas à donner absolument tous tes avis dans l'espace commentaire. C'était Driss, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Asigma. Allez, ciao les potes!